Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 22e épisode sur Final Fantasy XV. Donc dans l'épisode précédent, on est rentré dans une espèce de bâtiment pour je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le bâtiment. Donc enfin en tout cas on est retourné dans ce bâtiment, enfin on est rentré dans un bâtiment. Bâtiment militaire je crois, enfin ça a peu d'importance. Et on essaye de d'avancer dans la zone. Et à un moment, on a croisé Prompto, enfin quelqu'un qui ressemblait à Prompto. Et arrivé sur place, on a vu qu'on avait une grosse hallucination. Et donc maintenant, on va aller vers le point qui est là. Je sais pas d'ailleurs si au niveau de la quête, ça me donne un niveau particulier. 38. J'ai un peu d'avance. Et donc on a l'anneau des Lucies. Qui nous sert d'arme. On va faire attention à se cacher des monstres qui sont pas très gentils. Je t'ai vu copain là-bas. Tu reviens pas vers moi? Ah si, on le voit le petit point rouge qui revient. S'arrêter juste derrière moi. Je vais attendre qu'il reparte. Ah non! Pars-toi, Nocte! Non, cours, 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 Forest! Non, c'est pas ça que je voulais! Ok, donc j'en ai eu un, je crois, enfin, je sais pas. Tu ne vas pas te mettre à pleurer de rage de même. Aïe. La porte est ouverte. Je vais attendre que mes PM reviennent. J'aime pas, j'entends leur respiration ou je sais pas ce que c'est. Mais j'aime pas trop ça. C'est un petit peu mode infiltration, mais ça fait assez flipper en fait comme ça. Enfin flipper entre guillemets, hein, c'est pas. Par contre, niveau stock de potions, tout ça, je suis en train de les descendre au fur et à mesure que j'avance. Par contre, l'anneau, c'est pas terrible pour se battre. Ah, il me surprend toujours à se relever comme ça. Ah, je tape pas assez vite à chaque fois. Je suis pas assez réactif. On a vu une zone avec Prompto, est-ce qu'il va y avoir une zone avec Gladio ou Ignis? J'augmente le niveau.
niveau de ma carte d'accès. Votre précieuse lueur d'espoir n'est plus très loin. Elle est presque à portée de main. J'aime pas du Je te conseille de chercher l'ascenseur central. J'aime pas du, du moins si tu tiens à retrouver ce qui t'est cher. Ah, j'aime pas du tout sa voix. C'est bon, ferme-la maintenant. Hardy. L'orientation est coupée. On descend par là. Waouh, j'ai pas intérêt à tomber là. Votre carte d'accès n'est pas reconnue, apparemment il en faut une spéciale. Maintenant va falloir que je trouve le générateur. Ok. Ah ouais, ça craint quand même. Trouver la carte d'accès à l'ascenseur central pour le faire fonctionner. Oh, il a rien nul. Ok, il va falloir que je fasse le tour apparemment. Je voulais faire un discretos. Si tu ne peux pas te battre, tu vas avoir du mal à reprendre ton trône. Ah ok. Tellement simple. Ok, donc je peux pas passer par là. On voit le gros monstre comme ça, en un coup on le bat. Ah ok, il réapparaît plus. Oh mais allez vous me laissez trop. Aïe. Ils veulent pas me laisser tranquille les copains monstres là. Ok, j'ai regagné tous mes MP. C'est assez simple.
Voilà, j'ai la carte. Il me cherche, ce copain. On pourra explorer la zone à fond, mais on va pas le faire. On va se barrer. Parce que j'en ai un peu marre de cette zone là, sans être sans vouloir faire le relou, mais. Ah, d'ailleurs je me suis compté de zone, enfin de passage. Par contre, la zone a l'air immense. Pas où je grimpe. Ah, par là. Cache-toi. Il revient le gros. Faut pas qu'il nous voit. Je vais voir s'il y a quelque chose par ici. Stimulant réactif. Au final, cette zone n'est pas si compliquée que ça. On pourrait se dire que c'est vachement compliqué, mais au final, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est trouver la carte, mais elle est pas très loin dans la zone. Alimentation partiellement. Ah, story, ok. Fonctionne ? Oh, tu as trouvé le bouton. Ça mérite une récompense. C'est une blague. Oh non, pas ça. Je pense qu'il est mort s'il tombe de cette hauteur. Xehanortos, l'immense forteresse volante de l'Empire au sommet de laquelle est enfermé le cristal volé au royaume du 6. Elle ne semble maintenant plus abriter aucune âme humaine. Ça fait une 7e arme fantôme apparemment. Lettre de Ravus et Luna. Reste sous la protection d'Accordo, n'entre en contact avec aucun représentant de l'Empire.
Je ne saurais t'empêcher d'accomplir le serment si c'est ce que tu souhaites. Je ne puis que prier que tu y survivras et te jurer de remettre l'épée de Sa Majesté Régis à Noctis s'il acquiert le pouvoir du roi élu. Ok. Par contre, j'avais l'impression qu'il y avait un petit point rouge à un moment sur... Ah ok, non, c'est juste le masque. L'empereur craint le serment avec l'Archéen et a ordonné à l'armée de le retrouver. Il est trop dangereux pour toi de rester au Lucis, je vais t'envoyer une escorte. Tu entreras à Ténébraille avec Gedia. Génial. Bien qu'il ait reçu la grâce du foudroyeur, Noctis est toujours aussi faible et désemparé qu'un enfant. Oublie les serments, Lunafreya. Le prince n'est pas digne de ton sacrifice, ni même que je lui remette l'épée de Sa Majesté Régis. On a quand même récupéré la septième arme fantôme. Il nous manque à peu près, enfin un peu plus de la moitié. Ça va bien, c'est bien dommage. Par contre, c'est un petit peu con quoi. Là, il y a des gros flingues. Et non, il les prend pas. Merci pour l'épée, papa. Voyons ce qu'elle vaut. Noctis n'a pas encore retrouvé l'usage de ses pouvoirs, mais il peut maintenant utiliser l'épée de son père pour se défendre en plus de l'anneau des Lucis. Voilà. Ça va. On va s'écarter. Ah, je peux. J'attends que ma vie remonte un petit peu. Bah, par contre, ouais, c'est cool d'avoir enfin une arme pour combattre. Ça évitera de fuir tout le temps les pour invoquer le gros sort. Jouant en mitril. Ça me plaît bien, même si je pense qu'on va être confronté à de plus en plus d'ennemis. À ta place, je resterai sur mes gardes. Oui, bah, moi j'aimerais bien que tu te taises, mon gars. Toi, je t'aime pas trop. Tu as entendu ce bruit? Je suis prêt à parier que c'est mauvais signe. Je regarde s'il n'y a pas des objets. On va continuer, hein, mais c'est juste histoire de faire une petite sauvegarde. En plus, je prends un niveau de plus, donc c'est cool. Allez, c'est reparti. C'est quoi ça? D'où est-ce que ça vient? Mais voilà, ce n'est pas faute de t'avoir prêt. Nu. Hop, par contre, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a une porte. Je peux pas passer par là. Donc je suis obligé de passer de l'autre côté. Il y a de plus en plus de gaz. Faut que je l'arrête. Yeah.
peut rien activer ici. On va ouvrir les vannes, tout ça. Ça non plus. Ok. Prends ça ! Minable. Qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir? Un objet, je vais me refaire attaquer encore. Hop, et qu'est-ce qu'il y a au bout de ce couloir là? Ok. Aïe. Dépêché pour essayer de plus être empoisonné. Ça, c'était du rapide. Petite créature là, sont pas très fortes. Par contre, oh, tu n'as aucun sens du spectacle. Je trouve que c'est un petit peu long comme zone quand même. On a vu les chapitres précédents se faire en 20 minutes, même, enfin, ou un petit peu de 20 minutes. Et là, on se retrouve avec une zone qui est très très longue, où il se passe peu de choses, du moins pour le moment. Aïe, c'est mon copain. Hop, on va attendre que la vie remonte. Ce qui m'a fait quand même mal. C'est vrai que je suis un peu en mode bourrin à chaque fois que je fais pas trop d'esquive. Je vais aller vers le point de sauvegarde, histoire de... On sait jamais si ça bug, si j'ai un problème de sauvegarde, enfin d'enregistrement. Ça devrait pas arriver, mais dans le doute. Et là déjà c'est un petit peu mieux que la phase d'infiltration qu'il y avait juste avant. Du moins je préfère. Il y a une pièce en face. On va aller dans la pièce. Prends ça ! Il est là ! Médaille impériale de mérite. Est-ce que c'est un équipement ou c'est juste un objet comme ça? Ça doit être juste un trésor à vendre.
ne sais pas. Allez là. Ah, c'est parce que j'en avais déjà plusieurs. Ok, j'ai récupéré toute ma vie. On peut reprendre l'avancée. Mètres encore. Oh, ça sent le... Ah. Il va se réveiller juste derrière moi, non? Oh! Spectre! Prends ça! Ça, c'est pas monsieur d'attaquer les gens dans le dos. Hop, ok. Là, il y a encore un bonhomme. Ça me plaît bien par contre. Moi j'ai plus trop de thunes. On va faire un petit stock de potions. Je vais rester comme ça. Le niveau de sécurité de votre carte a été augmenté à 4. Vous pouvez maintenant ouvrir toutes les portes de niveau 4 ou inférieur. Merci. On va poursuivre. Par contre, le petit bonhomme qui était couché, je trouve ça bizarre. Non, je peux pas interagir avec ça. Ok. Ah. Que si je restais appuyé sur la touche B, ça va, ça fait 22 épisodes. Je viens de comprendre que si je restais appuyé sur la touche B, ça faisait des attaques automatiques. Bien joué, Ryu. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. 63 mètres, ok. Mais ben dis donc, tu fais carrément moins le malin sans tes petits camarades. Il faut que...
À chaque fois, je spammais ma touche d'attaque. Et au final, bah, j'en avais pas besoin. Je commence à me demander si tu reverras tes amis. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille? Enfin, je sais que c'est pas par là la zone, mais... Ok... Sauvegarde auto. On va faire le tour de cette zone pour voir. Par contre, ça sent le coup froid. Il y a des squelettes. Minable. Prends ça. Il y a les robots de partout. Ça sent la grosse arnaque. Blindage Chobam. Ça soit un équipement à blindage. Résistance aux balles, je m'en fiche un petit peu. Sans être méchant. Ça ressemble les petits monstres, non? Là, y a rien. Et j'en ai vu un de l'autre côté, mais ça sent l'arnaque encore. Méga potion. Apparemment, non, ça ne sent pas l'arnaque. Un peu l'arnaque quand même au final. Hop, on va rentrer là-dedans, refaire une sauvegarde. Je sais que je sauvegarde beaucoup dans cette partie-là. Je vous avoue que la zone n'est pas forcément très intéressante à faire. Enfin, je la trouve. C'est un peu mieux avec le depuis que j'ai l'épée, mais dans l'ensemble, je la trouve très répétitive, pas très. Déjà, il n'y a plus toute l'équipe quoi. Je trouve ça un peu dommage, même si c'est sympa de jouer juste avec Noctis. J'aime bien voir les autres. Et pareil, il n'y a rien là de spécial, donc on va aller à la porte directement. Prudence, un malheur est si vite arrivé. Je t'aime pas, toi, Hardin. Tais-toi, s'il te plaît. Ah!
à cette horreur. Je vais quand même pas me battre pour ça. Aïe. Alors je sais pas si on peut le tuer ou pas, peut-être qu'il faut être beaucoup plus fort pour le tuer. En tout cas on m'a dit de m'enfuir. Dans ce cas là, je me casse. Qui a éteint la lumière? Oh, comme si c'était déjà pas assez galère. Tu n'as pas entendu un bruit? Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Seul? Bon, ben c'est déjà mieux que rien. Ok, atteint le niveau supérieur. Il va y avoir quelques salles à côté, donc on va visiter. Hein? Il m'a suivi le copain là. Oh, tu m'as foutu le stress. On va se reposer là déjà. On va continuer encore un petit peu. Enfin quoique. Ça fait une quarantaine de minutes que je joue. À peu près 40 minutes que je joue. On va s'arrêter là les amis pour cet épisode. Il sera un petit peu court. Enfin il sera dans la lignée de certains que j'ai fait. Il n'y a pas eu grande avancée dans ce jeu, même si on a récupéré l'épée du père. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve dès demain je pense pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XV, donc d'ici là portez-vous bien et on se retrouve demain, à demain, ciao.